Nous, chaque qui là, nous sommes citoyens haïtiens. Réflexe premier, c'est Haïti. Et ça, je vous ai dit, remet pays. Pour arriver à cultiver sentiment patriotique, ça, amour pour pays, ça. Faut bien imbu, faut éducation civique ou bien faite. C'est-à-dire, faut bien imbu de l'histoire pays, faut bien imbu de sciences sociales, littérature pays. Faut connaître qui ça Haïti est, ça vous présenter. Qui ça, ça. Qui ça a étudié en termes de représentation historique, soit parler d'Haïti, qui soit dit de lui, en tant que citoyen. Il y a la nation haïtienne, il y a l'État haïtien, et puis il y a ça où il est, d'un autre côté, qui, pas forcément un concept juridique, mais ça où il est peuple haïtien. Il faut arriver à transcender le concept peuple pour projeter tête dans l'avenir, pour comprendre ça, ça veut dire la nation haïtienne. C'est deux concepts qui sont interchangeables. Peuple haïtien, nation haïtienne. Mais la nation haïtienne, c'est un concept qui est beaucoup plus abstrait. Et on inscrit nos perspectives juridiques, libère l'autre sens à la réalité haïtienne. Mais là, le peuple haïtien, il y a une autre connotation. Où est peuple? Où est élite? Je toujours mettre peuple haïtien face à élite. Là. Ça veut dire, on parle de peuple haïtien, il y a une autre connotation. Soit défini peuple. Haïtien, on parle en réalité, c'est ensemble masse ou bien ensemble sur qui le pouvoir est exercé. Quand j'ai dit pouvoir, je fais référence non seulement au pouvoir politique, mais aussi au pouvoir économique, pouvoir culturel, pouvoir religieux. En fait, l'ensemble des pouvoirs, des élites, des mécanismes qui ont oppressé le peuple à ça. Des pouvoirs dans la sphère décisionnelle, ou des pouvoirs décider ou faire partie du peuple. Il y aurait la populace, c'est-à-dire ou pas faire partie de l'élite, ou pas soit dans l'élite ecclésiale, élite politique, élite économique, élite culturelle, si pas faire partie de l'élite ou faire partie de masse là, de peuple là. Maintenant, il y aurait le peuple, en gros mot, la populace qui vous l'a dit, c'est sous où le pouvoir est exercé. Parce que vous pas faire partie de la sphère, dans l'ensemble des sphères d'élitistes qui ont même à décider. Pour appareil, il y a une élite qui a décidé pour qu'à orienter, qu'à prendre les grandes décisions. L'offre établi ou fin clarifier concept. L'offre dit la nation haïtienne qui sont concept abstrait, en termes de représentation, ou jouer aussi le principe spirituel que quel que soit moun en dedans pays attaché appartenir à lui-même. Qui tout rouge, qui tout noir, qui tout pauvre, qui tout blanc, qui tout milat, qui tout syro-libanais, ou qui attaché à principe spirituel, ça qui c'est nation, ou fait partie de la nation haïtienne. Ou haïtien. Ça ne va plus problème. Ou capable haïtien, mais ou pas citoyen. Ou capable de nationalité haïtienne, en thème général, ou appartenu avec ensemble juridique sa nation, mais ou pas citoyen. C'est-à-dire, ou dépourvu du sens civique. Et cependant, ou c'est haïtien. Ou qu'on passe pour un mais ou soit haïtien. Ou fait en Haïti. Ou soit haïtien. Ou aimer manger. Manger haïtien ou remettre culture haïtienne. Mais ça ne fait pas de vous un citoyen. Un citoyen dans le sens pourvu. Un citoyen, il faut que au moins vous gagnez non seulement l'âge, vous gagnez lien ou développer à l'État, et puis vous cultivez le sens civique à travers une éducation civique que vous recevez, vous venez donner un citoyen. Le citoyen, en quelque sorte, c'est lui-même qui a droit, qui joue dans ensemble de droits, réalité, et aussi il y a des devoirs vis-à-vis de l'État et de la nation. Ça, c'est le citoyen. Ceci étant dit, nous gagnons des Haïtiens, mais qui pas citoyens. Maintenant, on gagne des citoyens, mais on pas patriotes. Parce que le patriotisme se cultive, le patriotisme et s'enseigne. Ou pas les bons bon matin, ou patriote, ou qu'à citoyen, mais ou pas. Le fait qu'on citoyen, ça ne veut pas dire pour autant qu'on patriote. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on aime pays ou. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on aime patrie ou. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on prêt pour mourir pour pays ou. Non! Pendant ce temps,
ou capable dire ou c'est citoyen ou à l'élection ou capable participer pour venir sénateur en tant que citoyen ou capable venir sénateur en tant que citoyen ou capable venir député en tant que citoyen ou capable venir ministre en tant que citoyen ou capable même venir président en tant que citoyen et en tant que citoyen tout ou capable occuper n'importe fonction publique en tant que citoyen ça ne fait pas de vous un patriote. C'est pas parce qu'on citoyen, ou sénateur, ou député, ou ministre, ou occupé des fonctions dans l'État, ça ne fait pas de vous un patriote. Les patriotes sont rares. Il y a des circonstances qui peuvent le permettre. Ouais, est-ce que Mounsage étoffe le patriote? Tout le monde est capable de citoyen. Mais il y a des circonstances particulières qui peuvent le faire ou découvrir d'étoffe patriotique la caillou moun, la caillou citoyen. Et pas qu'on son moun levé, li passe de citoyen à patriote. C'est pas qu'on son moun capable levé pour le passer de citoyen à patriote. Non, de tout un cheminement pour sortir citoyen pour vin patriote. Éducation civique ou ka fait, mais l'amour pour la patrie, l'amour pour le pays, ça sont l'autre bagaille. Éducation civique ou qu'a fait, ou qu'on doit ou qu'on devoir en tant que citoyen, ou à bataille dans la vie, ou à réclamer droit ou à revendiquer droit. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on est patriote. La patrie, ça ne veut pas dire pour autant, c'est face avec l'étranger, c'est face avec des évasions étrangères, c'est face avec des positions et du pays face avec l'étranger, face avec l'autre. Des questions qui ont rapport avec le territoire, c'est là qu'on va le connaître, si vous gagnez des patriotes ou bien si vous gagnez des citoyens. Le citoyen, le plus souvent, lui intéresse des affaires internes. Mais le patriote, lui intéresse par rapport avec l'extérieur. C'est par rapport à l'extérieur que le patriote se définit. C'est pas alors que le citoyen lui définit par rapport à l'intérieur. Des citoyens, c'est lui-même qui dans l'État, c'est lui-même qui a pris la rue, c'est lui-même qui a manifesté, c'est lui-même qui a revendiqué droit, c'est lui-même qui voulait bon l'école. Ça, c'est le citoyen. En Haïti, nous chargeons les citoyens. Mais il y a une carence de patriotes. En pile dirigeant nous gagnons son paquet de citoyens, mais ils ne sont pas patriotes. Parce que il suffit que vous regardez le comportement de ouais, par rapport avec l'étranger, ouais, ils ne sont pas patriotes.